Vivement qu'on passe à PS5. Hein. Putain, ouais. Rupture de stock, c'est pour ça. Bon, ok, c'est parti. Let's go. Ouais, le skin est bouleur. Le meilleur. Hop là, on change. On va qui est direct très agressif là. Dans le neutral, il met la pression de fou. Ok. Ouais. Bon, il a vu Kurama, je pense, le bécan, il va être inspiré, je pense. Ouais. C'est bien, ça empêche Maxime de mettre ses ballons, son travail, mettre son truc qui le cheat là. Là c'est un bon zoneur, du coup faut en cuisiner. Oh, le ladder, ouais. Ok. Bien direct. Le call of the smash. Avec le timing, mais c'était pas mal. Attentez. Ok, nouvelle phase de l'échrap. Ok, on va tenter un spike. Non, on va just spike un bon petit lead. Hein. Ouais, clairement, pour l'instant, Maxime il a du mal à remonter ou gagner le neutral. Ouais, il a Just Punk qui arrive à bien, il sent son avantage. Il a arrêté de le rendre neutral. Et on tente le kill, voilà, hein. Il y a 10%. 120%, ça attend qu'il y ait un smash out of shield. Reverse smash qui est un très très bon kill, c'est un très bon. Un très bon typo. Ouais, carrément. Ok. Bon, on va essayer de trouver le back air. Ok, on a le sur spot. Ça commence des combos. Tu peux faire mal, hein. C'est un gros kill power quand même. Ouais, vraiment. Wifi, ça prend. Okay. Ça peut prendre des stocks très rapidement avec ce jab qui est hanté. Qu'est-ce qu'il pourrait tuer pour moi pour, ouais, il n'est pas concentré dessus. Ouais, ouais. Ok, donc on va prendre le lead. Maintenant, il faudrait prendre des pourcents. C'est ça. La Just sur Wifi, il veut prendre des pourcents et mourir plus tard possible. Et, bah, évidemment, on voit le buff qu'il a mis sur ça. Son perso. Je connais pas la durée du buff de Bifit, mais. Ah, si je dis pas n'importe quoi, je crois que c'est 15 secondes. J'aurais dit 10, mais peut-être. Ok, bon, le smash en entier. Bien vu, bien vu. Ça remet carrément la game à 0. Ouais. Attention, assets. Ah, oh, les débuts de combo comme ça. Ouais, ouais. Le matériel son de Maxisan. Ouais, franchement. Ah, là, ça là. Fait tir. La tête dans le neutral. C'est pour la patience soleil, ça, en fait. C'était stylé, donc je stream. Exactement. Donc là par contre c'est Maxisan qui a du mal à toucher sur ce combo, ouais. Mais on voit que beaucoup ça joue sur le côté du terrain, ça reste beaucoup en l'extra. Ouais, ça c'est une phase d'avantage et d'autre. Ouais, c'est ça. Ça se reverse beaucoup. Ouf, voilà, merci de mettre le smash, c'est pas si mal. Ouais, il est bon au milieu de Toshi, non. Oh, la zone rouge. Ça c'est puni, ça saute tout dedans. Ouais, ça ne passe pas. Ouf, le optique qui cancel le up smash. Maxpo, ça tue pas, y'a pas de rage. Le back air, non, c'est pas ok, on prend le sang du stage pour Maxisan. Mais on repart en laissant les chats. Ouais, vraiment, Jasmine qui étouffe, hein, Maxisan. Ça va droite à gauche. Ouais. Par contre, Maxisan il gagne une trappe pour mettre un combo à chaque fois, c'est juste des petites touches qu'il a et qui. Mais à chaque fois ça dure pas bien longtemps. Jasmine qui arrive à étouffer un peu le. Exact. Il n'arrive pas à poser son jeu de collectif par exemple, Maxisan. Même, tu vois là, Maxisan a reverse en ledge, après il a mis un shield alors qu'il était en dessous de lui. Tout à fait. Après là, attention parce que. Ouais, ouais. On peut pas revenir. Sur un upsit. En fait. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ouais, attention. Ok, sur le ladder. Ok. On connaît ça. Ouh, attendez un mix-up. Beau mix-up. Hein. On passe sur ton shield. Ouais. Ok, le père. Dommage, le bécan il part pas. Ouais. Ouh, on peut pas faire. On t'entend ah pas ouais, faire. Là, ça veut tuer. Ouais, smash, oh, le très, trap, très bon frame trap. C'était clean, c'était clean. Du coup, première game prise par Just Punk, une game assez convaincante quand même. Bah, ouais, clairement. Pour l'instant, Maxisan il a pas trop réussi à s'imposer dans le jeu. Mais ça peut venir, il y a tout qui change en. Ah, franchement, Just Punk, ce qui est dur, c'est vraiment de. En fait, il t'étouffe dans son jeu, genre, ouais. Toujours là, il est toujours à mettre des hitbox et tout, il te met un peu sur ton shield. En plus, c'est pas simple de s'en sortir. Surtout, il te met la pression et puis il regarde beaucoup ce que tu fais, ça veut dire qu'il bah, va pas commit sur une option n'importe quoi c'est et ça reverse à tout moment. En plus, comme c'est assez safe, Mario, tu peux mettre des hitbox un peu comme ça. Voilà, quoi, c'est ça. Et puis on connaît, ça met EPR, EPR, tandis que Gardoche, lui, ça se trouve, il va attendre, il va faire quelque c'est chose ça. Derrière. Ouais, faut... ouais, c'est ça, les combos, c'est parfois un peu comme ça. Claire, direct, ça repart très agressif encore une fois. Ouais. Il y a Maxime qui chope ses. Après, c'est ce qu'on aime. Hein. Ah oui, bah c'est ce qu'on veut. Le smash au passant. Mario, c'est vraiment du fou. Ici, on est là pour. Ouais, ouais. Pour autant que Bowser, mais bon. Ouais. On dira rien. Oh, ok. Ouais. Alors... ça a du flow plus que Bowser. Alors, je sais pas si peut-être tech là, je sais pas. Peut-être qu'il a dit in-tech, je sais pas si c'était possible. Peut-être, mais en tout cas, c'était très clean. Ouais, du coup, là, on prend un très très gros lead. Hein. Avec 22% de.
Wall of Spunk, ouais, c'est... Ouais. Bah là, carrément, il y a plus qu'une stop d'avance, là. En plus, il continue sur son avantage, il y a plein de EP. Ouais, il a pas eu reset le saut, c'est dommage. Vraiment, ouais, il avait reset sur la plateforme, ça aurait été extrême de fou. Ouais, c'est vrai. Tu vois, les herbages, là, c'est... Ça panique, hein. C'est normal, parce que ça fait... Ça fait depuis le début de la game que là il se fait mettre la pression quoi, donc vraiment tu sais pas s'il y a ça. Je suis d'accord. Et on... Oh, encore un fer. On avait du saut, mais un peu tard sur la route. On tampon un peu le livret, pas spécialement en fait. En fait, c'est un tampon média qu'il a mis à live. Ouais. J'ai plus de livret, on peut commencer à rejouer. Ouais, aussi déjà. On s'est trouvé un key sur un des Jaguars, un edge trap. Ouais. En fait, faudrait qu'il ait un petit truc pour faire une stock assez rapidement. Dernier repère, ça aurait pu être ça. Parce que le repère tue très vite. Hein, ouais, c'est ça. En plus, sur PS2 et sur une plateforme, oui. Ça aurait pu aller vite. Okay. Est-ce qu'on tuera pas encore? Là, on est. Je pense qu'on repousse. Oui, est-ce qu'il vient? Ok, il a laissé encore son saut. Oh, ça a trade avec le B. Ouais. Non, je crois que c'était un backer qu'il a mis. Ah oui, tu vois, le backer. Louis, le B de Wi-Fi qui a trade avec son backer. Ouais. Là, hop, petit boost et ça prend. Oh, ça tue pas. Bonne DI. La DI ancienne. Ah ouais. Ok. Bah, du coup, on a toujours deux stocks d'avance hein, pour le patch 5. Il faudrait essayer de prendre la stock assez rapidement pour Makisam avant de prendre voilà, trop d'avantage. C'est ça. Il faudrait éviter de prendre une phase d'avantage et de fermer la stock assez rapidement parce que sinon l'écart va être vraiment dur. Ça tue, je sais pas. Je sais pas si ça décide d'être Wi-Fi, Wi-Fi, je crois. Franchement, je sais pas. Ouais, non, je sais pas du tout. Mais. Directement. Mais... Là, on voit que Wi-Fi, t'as un peu du mal à tuer. Attention. Oh il a mixé. Oh je pense que Makisam s'attendait à un EB et il a bien attendu. Putain. Très bien joué, du coup, on a un tristock autoritaire sur ce game. C'est un BO5, ouais. Donc, il y a encore au moins 3 games. Donc, 2 balles de match pour Jazz Punk. Ouais, ouais. Au moins une game. Minimum une game. Je ne sais jamais. À ce moment-là. Moi, je crois en Makisam, les gars. Makisam, il peut mettre des gros coups de ballon. Il peut te mettre plein de trucs. Franchement, ça lui fait tout à l'heure. Des gros combos qui peuvent te tuer, des confirms qui sont solides. On les shrap, je trouve qu'il a assez. Enfin, après, moi je joue Bowser, donc les ballons c'est un peu compliqué pour moi, mais moi, je trouve qu'il joue bien avec ses ballons. Franchement, ouais, même quand toi t'es en les shrap et que lui il a des avantages, souvent il peut bien t'embêter avec ses ballons et tout. Ce qui se passe pas du tout dans cette game, je sais pas pourquoi. Après, ils se connaissent beaucoup, donc je pense qu'il a gagné des matchs, c'est le bout des doigts. Ouais, carrément. Quand on est reparti. Du coup, ouais. Je vais faire neutral, on gère que le combo starter. Ouais. Là ça a du mal ici, ça touche, puis voilà on voit bien, ça joue en RPS. Ça joue en RPS 25 là avec des merdes. Vraiment. Là on voit que ça depuis tout à l'heure, mais c'est que des petites touches. Là on... Ok, on se trouve sur terre qui mènera rien. Ok. Bon, reset neutral, il y a un peu plus de patience là, Maxime qui calme le jeu. Ok, on n'a pas touché, hein. Ouais, vraiment, on joue très... On sent que le premier qui va toucher va mettre une grosse phase. Ça se passe bien. C'est le safe, ok, là on fait un trade. Ok, Maxime en corner qui arrive. Ça, on touche une fois, après on n'a pas le combo derrière. Ça... Ouais, c'est ça, c'est on met un grab, mais derrière il n'y a rien, il y a un permis. Oh, le crouch. Wow. Bien, c'est parfait en vrai. Il crouch beaucoup quand même sur cette game là aussi. Ouais, il crouch pour, je pense, pour dodge les backers. Ouais, ou même les upper falling et trucs comme ça, c'est vrai que ça peut être vraiment, c'est une bonne option. En plus, quand il crouch, il a l'époque, c'est pas vraiment bas, c'est pas faire bonus. Et là, du coup, on voit sur le genre de truc que c'est des interactions que ça joue entre personnes qui connaissent le match-up et puis qui se connaissent elles-mêmes parfois. Ouais. Mais okay. Il y a beaucoup de match-up joueurs surtout dans ce fait. Hein. Ouais. Plus que de match-up perso. Donc, en fait, du coup, on est even. Hein. Le backer. Backup d'Ibrest qui t'envoie. Vraiment, t'es au milieu du stage, il s'en fout. En plus, Mario, c'est pas extrêmement lourd. Ouais, alors on a toujours l'avantage positionnel. On remet une petite phase après avoir pris sa stock à 42%. Elle se retrouve. Phase de l'edge trap. Ouais, je trappe, c'est bien. Maxime qui arrive déjà mieux à jouer son jeu en Edgeguard déjà, comme on disait tout à l'heure. Et puis là, on voit sur notre Albé la boule, c'est ça? Notre Albé, ouais. Voilà, oui, c'est ça. Il avait pas utilisé de la game, là, il a utilisé un mix-up pour revenir tranquillement. C'était bien joué. Là, on joue avec son jeu avec les ballons. Pour cramer les airdash, notamment les options. Ah, vous voyez, Maxime, il s'est calé mort sans. Il a trappe parce qu'il avait collé une option qui s'était pas dans le truc. Petit foustoule. Ok. Non, il y a la ouais, mais je pense qu'il y a une trop qui tue vers 150% quand même, un truc comme ça. Sûrement, ouais. Agui Bray, sûrement. Oh, le bon de tips. Ouais, vraiment. Sympa. On voit vraiment que c'est une game qui est différente que celle d'avant. Maxisam a réussi à contenir Jazz Punk, il met moins la pression, il arrive à mieux poser son jeu. C'est sûr, mais on voit la différence par rapport à la game 2 où c'était un peu un. Ouais, un seul sens. Attention. Mais là, attention, ça peut aller vite. Attention, ouais. Okay, on peut récupérer l'avantage sur une phase. Hein. Ok. Hop. Ouais, on a vu Maxisam qui a voulu reset neutral, Jazz Punk qui a su instantanément. Et Jazz Punk qui commence à. Prendre du bloc de la bête là. Ouais. Sur cette phase.
Là, on tente tous les mix-up possibles. Hein, ouais, vraiment. De prendre le kill. En même temps, c'est important de prendre un kill assez rapidement. Parce que là, regarde, il est à 39% avec la boule. C'est que 50% si tu maintenant, en vrai. Ça fait, ça le fait. En vrai, même encore un peu plus de pourcent s'il y a un momentum, ça peut toujours faire. Mais là, on tente beaucoup des smash, là, on tente une ride de roll, je pense. Ouais. Franchement, c'est cacher la roll, ça. C'est ça. Franchement, on va commencer à avoir des smash à Utoshibu et des trucs comme ça. Des reverse smash, ouais, parce qu'il me semble que. Enfin, des reverse, c'est mieux parce que je crois que la hitbox part de la tête. Ah, ouais, je crois que c'est du bas de la tête. Du coup, si tu reverse, tu touches un truc. Ouais, exact. T'as un hit qui touche, je pense qu'il y a eu un drop. Ouais, je pense que c'est un drop shield. Il met la pression, il smash, il attendait depuis le début, il tapait que get up normal. Okay. Et, là, en vrai, c'est presque even. Hein. Attends, il y a quand même au 10 brace de Maxisam. Hein. Ouais, c'est ça. Ok, ça commence le combo d'un air, upper. C'était un upper, c'est river sur le upper. J'ai pas fait gaffe. Ouais. Je crois qu'il. Ouais, je sais plus, pas fait gaffe. Je crois qu'il a RR, ça va pas de fin. Là, au final, on a ici une game assez even. Ça peut partir très vite. Ouais. Ouais, là, Majaspunk qui clutch cette game en vrai. Il a fait un beau comeback. Ouais, ouais. Franchement, Sam, il s'est vraiment bien débrouillé sur la deuxième. Ça aurait pu être pour les deux. Mais là, Majaspunk a touché, il a réussi à conclure instantanément. Ouais.